Bonjour, bonjour et bienvenue sur Nipub. Aujourd'hui, je vais vous parler des jeux. J'ai vu sur Internet qu'on pouvait gagner de l'argent PayPal en jouant. Donc, jouer vraiment sans compétences particulières et aussi en s'amusant, gagner de l'argent avec certains jeux qu'on peut trouver dans l'App Store, dans les applications. Et là, je parlerai particulièrement d'un jeu. C'est le Magic Number Plus. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai fait cette vidéo, c'est trop marrant. Mais c'est le confinement. Donc là, on ouvre le jeu. Quand on commence à jouer, on nous dit, voilà, il faut qu'on ait 200 $ PayPal pour pouvoir récupérer. Donc là, moi, je suis très motivée au départ. J'y vais à fond, je joue tout le temps en regardant la télé. Donc, je ne paye vraiment pas du temps. Les briques s'emboîtent très bien. Après, il y a des pubs. Il faut vraiment être très, très, très patient. Parce que avec le jeu, il y a plus de pubs que de jeux. Ainsi de suite, on gagne de l'argent. Donc là, j'avais pas grand-chose et je me suis dit, il faut absolument que j'aie les 200 pour pouvoir récupérer. Donc je joue tous les jours et voilà, un jour, j'atteins les 200. Je reprends le jeu, voilà, et dans le jeu, il faut que je continue. Je continue, j'ai déjà les 200, mais je vais tester, je vais voir un peu comment ça se passe. Et là, je récupère les sous. Ensuite, je me dis, voilà, je vais regarder pour récupérer peut-être les 4 euros dans le panier, mais je ne peux pas parce qu'il faut atteindre le score 25. Ce n'est pas grave. Je vais essayer de récupérer les 200. Je vais récupérer les 200. Quand je clique sur 200, paf, on me dit, ah, il y a des contraintes. C'était trop facile pour être très beau pour être vrai. Voilà, catch out. Il faut que je récupère quand même des sous, quoi. Non, en fait, il faudrait être actif sur le jeu 150 jours. Atteindre le level 800. 800! Écoutez bien, 800. Moi, j'ai déjà pu atteindre le plus haut que j'ai fait, c'était 20. Donc, du coup, je me suis arrêtée. Il faut recommencer, il faut repartir. Et c'est pas évident. Si je veux récupérer, par exemple, la plus petite somme, il faut quand même que je sois active 11 jours. Ça marche toujours pas. Après, il faut atteindre le level 80. Ah, je sais pas si je vais y arriver, mais c'est vraiment... je sais pas si c'est de l'arnaque, mais c'est des gens qui passent que des pubs sur des jeux et qui disent, voilà, vous pouvez gagner. Moi, je vais continuer à jouer, mais je sais pas si vraiment je pourrais sortir de l'argent de ce jeu. Et pour tous les autres jeux, c'est pareil, hein, que là, il y a plein de pubs, il y a des gens qui font style, ils ont gagné de l'argent. Mais je crois que c'est juste, c'est du folklore, c'est du fake, en fait. Et pour tous les autres jeux, c'est pareil, que ce soit du digger, tu fais que creuser, mais t'as rien. Tu as 111 parties, tu arrives. Là, il faut juste avoir 20 $ pour pouvoir récupérer. Mais moi, je me suis bloquée à 19,77 $. Je suis allée plus nulle part. Il n'y a plus rien qui se passe. Steel Legend, c'est pareil. Happy Jewel, c'est pareil. Wizard. Après, si vous adorez jouer, en fait, moi, comme j'étais confinée, j'étais vraiment enfermée, ça ne m'a vraiment pas dérangé de jouer. Si vous aimez jouer, allez-y. Mais c'est vrai qu'à la clé, au départ, j'étais plus motivée parce que je pensais que je pouvais récupérer de l'argent via PayPal. Mais là, je peux vous dire que mon moral, il est redescendu. Paf! J'ai un petit coup de découragement là parce que voilà, j'ai atteint l'argent qu'ils avaient demandé au départ pour 7 ans, c'est 50 $. Quand je prends par exemple le jeu de Wizard World, c'est 50 $ qui est demandé, soi-disant, hein, entre parenthèses, entre guillemets, je veux dire. Et à un certain moment, en fait, on ne fait que jouer, on ne récupère que 0,01 $. Et à ce rythme, en fait, on n'atteindra jamais les 50 $. J'ai aussi peur qu'arriver à 50 $, qu'on ne puisse pas récupérer, comme ça m'est arrivé
sur le jeu de number plus major. Donc voilà, si vraiment il y a quelqu'un qui a déjà pu récupérer de l'argent dans ces jeux, je suis vraiment preneuse. Je suis tout ouïe, ma porte est ouverte, laissez-moi des commentaires, envoyez-moi des liens, franchement c'est toujours agréable. Mais bon, courage à vous hein, si vous voulez vous lancer dans ces jeux, allez-y et puis restez juste connectés. Moi je continue à découvrir des choses et à partager avec vous, c'est pour ça que je suis là, c'est pour ça que j'ai créé la chaîne. Et n'hésite surtout pas à laisser un petit like, un pouce vers le haut et à revenir pour plus de vidéos sur mes pubs. Je te dis à très bientôt. Ciao, ciao!